On se retrouve pour la rubrique témoignage. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi une sœur, Lisa. Hello Lisa, ça va? Ça va bien et toi, Evelyne? Ça va très très bien, je te remercie. Je suis super contente de t'avoir sur le plateau de C'est mon histoire. Et je vais très vite faire un petit lien avec le C'est mon histoire qui a été diffusé la semaine dernière, celui de Jonathan Bouchard, qui est ton mari. Tout à fait. Et on va comprendre en fait comment Dieu vous a mis ensemble, parce que de prime abord, il n'y avait aucune chance que vous puissiez vous Ça, c'est connaître. vrai. Et c'est lui qui t'a amené au Seigneur, c'est lui qui t'a parlé du Seigneur pour la première fois. Et on va découvrir ton histoire aujourd'hui, comment d'une enfance vraiment dans un milieu, dans une famille vraiment athée, qui ne croyait pas en Dieu. Eh bien, tu es devenue aujourd'hui cette jeune femme pleine de vie qui sert le Alléluia. Seigneur, remplie de l'amour du Seigneur. Et c'est ça, comme je le dis, tu es née dans une famille où on ne croyait pas forcément en Dieu, vraiment. C'était, voilà, on t'a un petit peu enseigné des Oui. petites bases, mais ça s'arrête là. Catholique de tradition, mais pas pratiquant du tout, là. Comme je te disais, il y avait aucune. Dans mon enfance, jamais que j'ai entendu le mot Dieu ou Jésus ou quoi que ce soit. On allait à la messe à Noël. Peut-être tous les ans ou presque, mais j'ai des vagues souvenirs, là. Donc, c'est ça, j'ai grandi vraiment comme ça. Je pense pas avoir croisé des chrétiens. En tout cas, si j'en ai croisé, c'était pas écrit dans leur front, naturellement. Puis, ils n'ont pas changé ma vie. C'est Donc, ça. c'est tant pis pour eux, mais c'est pas vrai. Donc, c'est ça, j'ai grandi comme ça. Puis, à un moment donné, vers l'âge de 12 ans environ. Après le primaire, juste avant le secondaire, j'ai rencontré. Ben, j'avais une bonne amie à moi, mais après, tout de suite, elle allait tomber dans la drogue et dans l'alcool et tout. Mais moi, j'étais très, très proche d'elle, donc je l'ai suivie parce que j'étais influençable. Et donc, c'est ça. J'ai commencé là-dedans un peu, puis j'ai comme tombé en amour avec un garçon de cet âge-là. Puis c'était comme si c'était un dieu, là. Vraiment, je le vénérais. C'est incroyable. Je dormais plus, là. Vraiment, je le voyais dans ma soupe. Mais là, à un moment donné, il me dit qu'il m'aime et tout ça. Moi, waouh, je suis aux anges. Ben oui. Finalement, peut-être un mois après, il me laisse tomber pour une autre fille. C'était vraiment ridicule. Moi, j'avais tout mis mon espoir un peu là-dedans, même si on sait qu'à cet âge-là, c'est pratiquement impossible. Ça se peut que ça dure longtemps, mais bref. T'étais innocente en Oui, fait j'étais très vraiment à innocente. Je cœur de sortais pierre. du primaire et tout d'un coup, la vie d'adulte, ça m'a vraiment donné une claque dans le visage. Je me suis dit, aïe, aïe, c'est ça l'amour, j'en veux pas. C'est ridicule. Puis là, j'ai tombé vraiment dans les pensées noires. Je me mutilais légèrement, mais je me mutilais. J'étais vraiment désespérée, là, au fond de moi. Waouh, j'allais à l'école, j'étais malheureuse, là. En dedans de moi, j'avais juste le goût de pleurer, j'avais le goût de m'enfuir à l'autre bout du monde. En plus que je voyais sa copine dans la même école que moi, en tout cas. Donc, ça a commencé comme ça, je te dirais, pendant plusieurs années. L'entourage autour de moi, c'était des gens comme ça, qui fumaient, qui buvaient. Donc, je tombais là-dedans et tout C'est ça. ça. Vraiment, T'étais j'étais dans une influençable, c'est période ça. assez Assez sombre. sombre. Tu sais, l'adolescence, mais tu sais, on n'est pas obligé de vivre ça non plus dans Non. l'adolescence, naturellement. Même que moi, mes parents, ils en revenaient pas parce que ma sœur était plus vieille que moi, puis elle avait jamais fait ça. Jamais, jamais. Moi, à 13 ans, j'avais pris vraiment beaucoup trop d'alcool, puis ils m'avaient ramassée, là. J'étais dans l'incapacité de marcher, là, vraiment. Donc, c'était vraiment intense. Mes parents étaient dépourvus, là, d'aide. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Vraiment une adolescence difficile. Je m'étais percé le nez tout seul, le nombril. Ah, vraiment, là, le film 13 ans, si vous l'avez vu, c'était quasiment ma vie, là. C'était triste. T'étais malheureuse J'étais ou malheureuse, mais je parlais à personne. Tu sais, j'aurais dû parler à psychologue ou peu importe. Même que j'ai déjà été consultée psychologue à l'école, mais ça ne m'aidait en rien, là. Tu sais, juste d'être positive, nanana, mais tu sais, ça ne change pas la vie. Non, c'est ça. Puis Mais tu j'avais te besoin de posais. délivrance, veux, veux pas. C'était tellement des oppressions sur moi, ça l'empirait, veux, veux pas, Exact. tu sais. Tu te posais des questions aussi. Tu me disais qu'à l'âge de 10 ans, tu t'es posé des questions Oui. par rapport à la mort, par Oui. rapport au sens de la vie. Exactement. Je me souviens comme si c'était hier, en fait. J'étais dans ma chambre, je me suis couchée dans mon lit. Puis là, j'ai eu vraiment une vision de l'univers, de vraiment. Là, j'ai dit, j'ai des frissons encore à chaque fois que j'y pense. Je me suis dit, c'est quoi la vie? Est-ce qu'on naît? Est-ce qu'on travaille? On meurt? C'est tout? Ça se peut pas. Puis là, j'ai vraiment eu une crise d'angoisse. Là, j'avais de la misère à respirer. À partir de ce moment-là, j'ai eu tellement peur de mourir.
C'était incroyable. J'ai dit, je ne veux plus jamais y penser. Puis là, je n'en ai pas parlé à personne. Mm-hmm. J'étais quand même assez renfermée. Puis j'ai essayé de digérer ça, mais ça m'a vraiment perturbée. Je te dirais vraiment. Donc après, là, j'ai dit, ben là, il n'y a rien qui existe. Je suis athée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, athée. Mais... Tu t'es affirmée athée à ce moment-là. J'ai dit, je suis athée à partir d'aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment fait peur. Vraiment. C'est ça. Tu as essayé de te rassurer en pensant que rien n'existait, mais finalement, ça t'angoissait encore plus. Oui, ben, moi, j'aurais voulu avoir une réponse à cette question-là, mais personne n'était là dans ce moment de ma vie pour me l'expliquer. Exact. Et finalement, c'est ça, il y a eu cette peine de cœur à l'adolescence qui a ouvert une porte, vraiment une brèche dans ton cœur pour tomber un peu dans une période sombre, l'alcool, etc. Ensuite, tu t'es mis beaucoup dans la danse, tu pratiquais beaucoup de danse, qui t'a un petit peu ramené sur un chemin un petit peu plus paisible. Mais malgré tout, tu avais toujours vraiment des pensées suicidaires, des pensées très, très sombres. J'étais des fois, ça allait bien, naturellement, bon... J'avais un peu de joie à faire ça parce que c'était comme, me vanter, mais les gens, ils m'aimaient beaucoup en tant que professeur. Donc, pour moi, c'était d'être en avant, d'être vu par les gens, ça me nourrissait. Mais pourtant, c'est pas sain dans un sens de faire ça pour le regard des autres. J'aimais ça quand même parce que ça me mettait en forme et je mettais en forme les gens. De nature, on le sait que le Seigneur nous donne des dons sans me trouver au-delà de mes compétences, juste d'aider les gens dans ce qu'ils ont besoin. Moi, j'aimais ça, entraîner les gens et tout ça. Mais je veux pas, la vie continue. Hein. Tu sais, dans les périodes difficiles, des séparations, des choses comme ça, je me retrouvais toujours seule. Je me disais, c'est quoi la vie? Est-ce que je vais toujours faire ça toute ma vie, d'être ballottée d'un bord et l'autre, une relation après l'autre? Je savais pas où est-ce que je m'enlignais. Mm-hmm. Et un jour, tu es allée, tu as commencé un nouveau travail, tu es allée travailler dans un restaurant. Exact. Et c'est le restaurant où Jonathan, justement, travaillait. Oui. Quand il t'a vu, le Saint-Esprit lui a dit clairement que tu avais des pensées suicidaires, que tu étais une personne suicidaire. Mais il lui a aussi dit, lui-même s'est dit, là, c'est pas Dieu qui lui a parlé, mais lui-même s'est dit, waouh, j'aimerais vraiment épouser une femme comme ça si elle était chrétienne. Mais il savait qu'à ce moment-là, tu connaissais pas le Seigneur. Et vous avez travaillé ensemble. Mm-hmm. Oui, exactement. J'ai commencé à travailler là. Les serveuses et les gens qui travaillaient me mettaient en garde un peu contre lui. Il l'aimait beaucoup quand même. Je veux dire, il n'était pas tout contre lui, mais il me disait, tu feras attention, il est spécial, il est vraiment, tu sais, freak, là, Jesus freak, là, en français, c'est comme tellement intense sur Jésus. Il prie, il prêche la parole, il guérit les gens. Mais tu sais, c'était quand même intriguant. Moi, j'étais un peu sceptique, mais c'était intriguant parce que je voyais rien de négatif en lui, là, dans le sens que c'était un modèle dans tout, là, comme la patience, la bonté, tous les fruits de l'esprit. Bon, il l'avait dans la restauration, qui est un métier assez ingrat. Donc, ça me travaillait. Puis, à un moment donné, plusieurs mois après, là, j'ai vécu une séparation encore. Et bon, je me retrouvais à l'âge de 25 ans. Je me dis, c'est quoi la vie vraiment? Là? Je suis tannée de vivre ça. Puis, la voix vraiment forte en dedans me disait, là, prends ton auto, puis finis-en. Là. Puis là, ça me tourmentait. Je buvais une bière, une autre, let's go. Ça me tourmentait vraiment. J'étais seule chez moi, je me souviens. Là. Puis, à un moment donné, il y a une petite voix douce qui m'a dit, elle m'a dit, écris à Jonathan. Là, j'ai dit, je veux pas qu'il connaisse ma vie. Moi, j'avais de l'air heureuse parce que j'ai un sourire, je travaillais dans le public, je faisais des efforts et tout. Mais ça me lâchait pas. Écris à Jonathan, écris à Jonathan. Donc, j'ai dit, OK, je vais le trouver. Je l'ai trouvé sur Facebook, je lui ai écrit. J'ai dit, je sais même pas pourquoi je t'écris. Est-ce que tu peux m'aider? Je vois tout noir. Et là, merci Seigneur qui se couche tard parce qu'il m'a, il m'a répondu assez tard, quand il était peut-être 11h minuit, peu importe. Il m'a répondu un grand texte, pas juste « ça va bien aller ». Il m'a répondu ce que je m'attendais un peu, mais en même temps, c'était quelque chose que j'avais jamais entendu. Comme quoi, qu'est-ce que je vivais, c'était dans le spirituel, c'était des attaques, bon, des ténèbres et tout ça, qu'il pouvait prier pour moi, que j'allais ressentir un bien-être, mais que en bout de fil, ça durerait pas si je donnais pas ma vie au Seigneur, que, bon, la vie continuait, on est dans un monde déchu, donc si t'es pas au Seigneur, tu vis des tourments et tout ça. Tu t'es dit quoi quand tu t'as écrit ça? Ça avait vraiment beaucoup de sens. C'était comme une lumière. Quand je lisais le texte, c'était vraiment, pour une fois de ma vie, j'ai dit, c'est ça la vérité. Dans le fond, Colin, ça fait 25 ans que je la cherche, la vérité était là. C'était évident pour toi que c'était vrai. Pas plus compliqué que ça. Vraiment, il m'a partagé ses témoignages de vie, celui de son papa qui avait été guéri surnaturellement, etc. C'était merveilleux. Son demi-frère également, qui a un témoignage extraordinaire. Oui. Donc, ça m'a vraiment touchée. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si les ténèbres sont partis.
Là, je me suis sentie bien. J'ai vraiment ressenti la présence du Seigneur. Quand j'écoutais des témoignages, ça me brûlait, mais c'était pas négatif. C'était vraiment positif. Je me sentais légère. Et là, à un moment donné, je me suis repentie dans ma cuisine. J'étais toute seule, à voix haute. Je savais pas comment faire. J'avais jamais prié de ma vie, là, naturellement. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que je suis dans le péché. Je suis dans le trouble, en bon français. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Je l'ai répété pour être certaine qu'il m'a entendue. Puis là, je ne sentais rien de particulier, mais le lendemain matin, je me suis réveillée et j'étais vraiment transformée. Le cœur complètement changé, heureuse dans tous les petits détails de la vie. Puis là, j'avais soif d'en apprendre plus, naturellement. Puis là, je savais que j'étais sale de péché. Il fallait que je me fasse baptiser pour enlever les péchés. Puis j'avais hâte, j'avais dit à Jonathan, est-ce qu'on peut faire ça bientôt? Là, il m'avait trouvé une place avec une autre sœur 2 semaines après. Puis, je me suis fait baptiser. Le lendemain, j'ai vécu une délivrance dans une soirée de prière. C'était vraiment puissant. J'ai appris comme ça à prier à travers les gens parce que je ne connaissais pas du tout, du tout. En lisant la Bible, je me souviens même que j'avais été à la bibliothèque louer un livre qui est Jésus pour les nuls. Jonathan trouvait ça vraiment drôle. J'avais envoyé une photo. Là, il était là, ouais, c'est un bon début. C'est vraiment drôle. Puis, dans ton caractère aussi, mm-hmm. tu as été transformée parce que tu as une période plutôt assez blessante, assez piquante. Vraiment. Avec ce que j'avais vécu, j'étais très, très jalouse avec les relations hommes et tout ça. J'étais très jalouse, mais blessante, mes paroles, impatiente, vraiment. Je réalise, en m'en venant aujourd'hui, j'ai réalisé comme quoi que c'était terminé, c'est fini cette vie-là, puis c'est merveilleux, vraiment. J'aurais pas pu demander mieux, puis c'est ça. C'est vraiment une ancienne vie, c'est ce que je te disais, on parlait tout à l'heure. C'est comme si c'était plus nous, c'est l'ancienne personne. Exactement. Donc, c'est ça. Jonathan t'a accompagné dans ta vie chrétienne, dans ta démarche chrétienne. Il t'a formé dans les débuts, et puis petit à petit, vous êtes tombés amoureux. Oui, exact. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a des sentiments. Je ne savais pas du tout quoi faire, mais lui, dans sa sagesse et dans son expérience, il m'a dit, on va donner tout ça au Seigneur, il va nous guider. Puis moi, j'étais à l'extérieur en voyage pendant 5 semaines. J'avais dit au Seigneur, je te donne tout. Puis même Jonathan, j'avais de la misère, j'ai lâché prise. Puis à partir de ce moment-là, là, ça a été glorieux. Vraiment, j'ai vécu plein de guérisons, des miracles, des visions. C'est comme si ma vie, elle avait vraiment... C'est quand on bloque des choses, c'est nous-mêmes qui bloquent, alors que Dieu nous a bénis. Puis plusieurs mois après, il m'a demandé en mariage. Et maintenant, on a une petite fille de 1 an et demi. Ça va vraiment vite, la vie. Alors, c'est ça. Exactement, vraiment. Dieu a vraiment posé sa main sur ta vie, sur votre vie à tous les deux. Et aujourd'hui, tu vas dans les rues, toi aussi, avec Jonathan, prêcher l'évangile, prier pour les malades et puis aller être une lumière dans ce monde, comme le dit la parole. Exactement. Merci beaucoup, Lisa, d'être venue partager ton témoignage.